Hey les yeux, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification, c'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes. Aujourd'hui, je voulais vous demander un truc très important. Vous savez que j'ai ma chaîne, Awariz, Carlos Ladienne et Rizawa. Mais aujourd'hui, vous savez, j'en ai parlé un petit peu sur quelques-unes de vidéos. J'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Awacraft. Elle est tout simplement en description les abonnés, je l'ai créée ça fait déjà plus d'un mois les gars. Il y a 4 vidéos sur sa chaîne les gars, du coup n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de vidéos qui vont sortir, des ne choisissez pas, des vidéos RP avec mon ami, tout simplement des survies aussi, des séries survies, vous allez vraiment kiffer. Abonnez-vous, vous pouvez cliquer sur le petit i tout en haut à droite de l'écran les gars et vous mettez abonné, sinon vous allez dans la description, le lien il sera en description. Et aujourd'hui je vais pas vous donner de défis les gars, pas plus de défis que d'habitude, en tout cas n'hésitez pas à aller voir dans la description mon Teespring. Si vous voulez un t-shirt les gars, vous pouvez en trouver un, donc à votre taille, donc t-shirt avec Carlos, ma fille, etc. Et aujourd'hui je demande, je vais pas demander de like les abonnés, c'est vous qui décidez et vous verrez par la suite de la vidéo combien va demander de like. Et regardez toutes les vidéos qui vont sortir prochainement car elles vont être vraiment très lourde et moi je vous tiens pas plus longtemps les gars, à tout de suite. Oh, attention tout le monde, qu'est-ce qu'il y a Carlos, qu'est-ce qu'il y a, oh ça bouge, ça bouge, oh ça bouge, oh Awariz, Awariz, eh oh, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, réveille-toi enfin. Oh j'ai mal à la tête, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est écrasé à Awariz. Mais t'es on sûr? Dans le coma. Ah bah oui, on s'est écrasé, regarde ma calvitie. Oh punaise, t'as encore perdu des cheveux Dédé. Oh oui, perdu des cheveux. Ça va Luna, tu t'es pas blessée? Bah je me suis fait un peu mal à la tête, mais ça va. Ok, et toi Carlos, ça va? Oh j'ai un petit peu mal à Awariz. Ok, mais du coup on a atterri où là? Oh là là. Oh les gars, on est sur Mars je crois. Oh oui, c'est gigantesque. On arrive à bon port. Je crois qu'on arrive. Oh punaise. Mais qu'est-ce qui s'est passé Carlos? On s'est écrasé à Awariz. Tu sais pas conduire Carlos, c'est pas possible. Ah ouais. Non. On a eu un problème d'aile. C'est quelle aile qui a lâché? Ouais, enlevez le feu, enlevez le feu. Oh, c'est cette aile-là. Cette aile-là, elle a lâché, regardez. Ah oui, d'accord, il y a plein de trous, regardez les gars dans l'aile. Oh, regardez en haut, elle a pris feu. Oh, on pourra rien faire. Je crois qu'on s'est fait attaquer par un vaisseau. Ok, bon par contre on va faire le point, hein. Y'a tout le monde, Dédé t'es là? Ouais bah présent chef. Ok, Luna t'es où? Je suis là. Ok, et Carlos t'es où? Je suis là. Ok, et Toto il est où? Non c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là, Toto il est où? Dédé, Carlos il est où Toto? Toto, mais je suis pas là Toto. Je te dis Awariz. Bah oui, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Bah je l'ai jeté de la fusée. Quoi? T'as jeté Toto de la fusée? Ah oui, je l'ai jeté de la fusée, il va en ira le chercher à 10 000 lakes, je sais où il est. Hein. Quoi? Mais attends, dis-moi pas que tu l'as balancé sur la lune, Dédé. Si, Awariz. Oh punaise, les gars, on est passé vers la lune tout à l'heure, mais je me suis endormi devant. Et je crois que Dédé et Toto se sont disputés. Du coup, si vous voulez voir, les gars, le moment où Toto, bah du coup, ils l'ont envoyé sur la lune, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Carlos l'alien, les gars, elle est dans la description. Vraiment, allez tous voir, je crois qu'en fait, il a filmé Carlos pour montrer que c'était bien Dédé qui a poussé Toto sur la lune, les gars, et qu'il l'a expulsé de la fusée. Du coup, vraiment, allez voir ça, c'est dans la description, les gars, franchement, ça va être un truc de fou. Oh, mais là, je suis vraiment pas content, Dédé, comment on fait maintenant? Je suis vraiment désolé, mais après, ça repousse. C'est toi, Carlos. C'est toi, Carlos, qui m'a dit... Doucement, parlez pas trop longtemps. Non, on se bat pas. Je vous rappelle qu'on est sur Mars, je ne connais pas Mars. Bon, on est où là? Ah oui, ça va, on est sur Mars. Bon, par contre, ouais, voilà les gars, comme ils ont dit, à 10 000 likes sous cette vidéo, on ira chercher Toto. Du coup, si vous voulez revoir Toto, les gars, qu'on aille le chercher et la ramener sur Mars en une petite journée, une seule vidéo. Carlos, quand je parle, s'il te plaît, parle pas. Du coup, voilà, les gars, si vous voulez tout simplement qu'on aille le chercher, mettez tous 10 000 likes, c'est rien du tout, les gars, mettez tous un petit like, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Vous faites quoi là, Carlos? On va voir c'est quoi ce délai là-bas. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, Carlos? Oh là là, ça a l'air d'être une prison pour alien. Oh punaise, les gars, regardez, une prison pour alien. Oh, mais c'est quoi ce truc de fou? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attends, oh, il y a une fusée, une petite fusée. Nous espions. C'est quoi? Oh, regardez, à McDo, c'est McDo. Mais c'est pas McDo. Où t'es allé, où? T'es allé où, Dédé? Je suis là, moi. Ah ouais, ok. J'arrive. Bah attendez, il y a un alien là. Oh, il y a un alien ici, Carlos, il y a un alien. Oh, finesse. Il y a un alien. Vite. Mais t'es bête, Carlos, t'es un alien, va lui parler, toi. J'aime pas. T'inquiète pas, Carlos, on va lui tirer dessus. Mais non, hé, Dédé, stop, attention, stop, on arrête. Venez ici. C'est un alien. Mais moi, j'aime pas les aliens. Mais t'es... Hé, Carlos, t'as oublié que t'étais un alien, toi aussi. Ah ouais? Bah t'es bête, mais oui, t'es ouvert. Ah mais moi j'apprends les aliens qui ont deux yeux.
On va aller lui parler. Ah oui, parce qu'il a deux... Ah oui. Il a deux yeux. Bonjour, petit monsieur l'alien. Vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Joujoul. Ah, Joujoul. Ah oui, mais en plus, t'as la même coupe que le chanteur Joujoul. Oui. Il est venu en moto, il est venu en moto. Mais attends, je suis arrivé sur Mars en fuyant ma planète. Ah bon, mais pourquoi t'as fui ta planète? Il y avait quoi? Parce qu'il y avait Usque 338. Quoi? Il a aussi... il a attaqué ma planète, oui. Oh non, le pauvre, les gars, il a attaqué la planète de Zouzoul, les gars. Donc voilà, mettez hashtag Zouzoul, mettez une petite phrase, les gars, si vous aimez bien l'alien. Et par contre, Dédé, regarde, on aurait dit c'est un petit fermier comme toi, on aurait dit un alien fermier comme toi. Mais oui, c'était quoi ton métier avant Zouzoul? J'étais fermier sur ma planète. Ah, je crois que t'étais chanteur. Mais non, c'est pas un chanteur. Non, mon copain. Mais par contre, il fait vraiment son... Moi, je vais aller voir ta planète. Ta fusée, elle a l'air trop nulle. Ta fusée. Ouais, on va prendre des torches, les gars. On va voir la fusée de Zouzoul, les gars. C'est une fusée éco plus. C'est parti, on va mettre des petites torches, les gars, pour s'allumer. Oh, mais c'est quoi ça? Mais toute petite, ta fusée, Zouzoul. C'est pour une personne. C'est pour une personne. Attends, fais voir, je vais rentrer dedans. Ah ouais, vraiment petite, les gars. Hein. Hop, attends, on va fermer. Hop. Alpha. Vas-y. Moi, j'en fais de meilleur que ça. Hein. C'est bon, Carlos, arrête de juger, les gars, les fusées. Hein. T'es jaloux, Carlos. Mais la mienne, elle est plus rapide. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, Carlos. Du coup, regardez, les gars. Ça, il y a la fusée de Carlos, c'est là la fusée de Zouzoul, les gars, donc elle est vraiment différente. Zouzoul, tu préfères quelle fusée, toi? Je préfère la mienne. Et Carlos, tu préfères laquelle? Non, je préfère la mienne, regarde. Regarde comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Casse pas. Carlos. Tu veux te battre? Moi, j'ai un pistolet laser. Ah, désolé, pardon. C'est bon, Carlos, tu as fait peur. Bon, du coup, les gars, n'hésitez pas à nous dire des commentaires si vous préférez la fusée de Carlos ou la fusée de Zouzoul, les gars. Zouzoul, ça s'écrit Z-O-U. Z-O-U, je sais pas comment c'est. Comment ça s'écrit, Carlos Zouzoul? Zouzoul, Z-O-U-A-L, Z-O-U-A-L-E. Ok, voilà, c'est Zouzoul, les gars, ça s'écrit comme ça. C'est Zouzoul. Mais regardez, il a cassé toutes les ailes de Zouzoul, les gars, de la fusée. C'est moi qui les ai pris. Alors ça, si on va réparer nos lavettes, il n'a rien vu. Mais regardez, mais ces ailes, elles étaient toutes petites, comment vous les courez par la nôtre? C'est pas grave, Avarise. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Bon, par contre, Zouzoul, du coup, t'es là depuis combien de temps, toi? Je suis là depuis quelques jours. Ah ouais, quelques jours. Mais du coup, comment tu fais pour survivre? Parce qu'ici, on connaît pas, nous, hein. J'ai survécu avec la ration de ma fusée et je suis allé voir aussi quelques monuments ici, là-bas. Ok, ouais, parce qu'à la base, j'ai vu, il y a comme une prison. On dirait que c'est bien une prison, c'est ça? Oui, je crois que c'est une prison, oui. Une prison pour aliens, ouah. Et y a quoi dedans ici? J'ai vu qu'il y a des tonneaux ici. Attendez, on va aller voir, les gars. Venez. Mais tous. Les bêtes! Qu'est-ce qu'il y a? Mais les bêtes, Zouzoul, il dit, je suis présent. Bon, on sait qu'il est présent, il est là. Mais pff, allez, tais-toi, Dédé, tes blagues sont vraiment nulles. Bon, du coup, regardez, là, apparemment, il y a des petits coffres. Mais attends, c'est à toi, ça, Zouzoul? Oui, c'est à moi. Ok, du coup c'est parti, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans les coffres? Il y a de la nourriture. On peut prendre. Oh, il y a des lits, attends, prends pas tout déjà. Ok, là il y a des morceaux de bois. Il y a des sacs, ouais, il y a de la viande aussi, il y a des chaises. Ok, et attends, mais tu veux qu'on fasse avec quoi avec ça, Zouzoul? Ah, c'est ma pute. Bah, on va vivre sur Mars. Bah oui, on va vivre sur Mars, mais du coup, attends, tu veux qu'on construise une petite base? Parce que nous, on devait aller voir des potes à notre pote, hein, enfin des potes à Carlos, quoi. Des potes à Carlos. Mais oui, il s'appelle Carlos, lui, au cas où, cet alien. Hein. Carlos, l'alien là, ce truc-là. Oui, c'est le vrai Carlos l'alien. Ah, tu le connais? Est... Non, mais il est pas très bon en tout cas. Non, quoi? Pizza. Tu vas en voir un troisième. Oh non, Carlos, fais-lui pas un troisième œil. Doucement. Parce que regardez, Carlos, il est jaloux parce qu'il a pas deux yeux, lui, hein. Carlos, t'es jaloux, c'est ça? Non, moi, je suis pas jaloux, moi, j'aime pas la jacquure d'ose, là. Mais non, et Carlos, t'es le plus beau du monde, Carlos. Ouais, mettez dans les commentaires, Carlos, le plus beau des aliens, parce que sinon, il le prend mal, regardez, il va bouder après. Eh, hey, Carlos, qu'est-ce que me tu fais? Parle plus d'abord. Tiens, regarde. Tu parles plus à qui, à nous? Attends, je te parle plus. Oh, mais pourquoi, Carlos? Non, parce que moi, je suis pas jaloux, c'est lui qui doit être jaloux de moi. Ouais, c'est vrai, c'est Zouzoul, les gars, qui est jaloux de Carlos. C'est bien vrai, Zouzoul, que t'es jaloux? Ouais, c'est ça, ouais, je suis jaloux de Carlos. Oui. Ok, va lui dire, s'il te plaît, pour comme ça il sera content. Ah, Carlos. T'es vraiment pas beau. De toi, ouais, lol. C'est quoi? Je suis jaloux de toi. Ah bah voilà, je s'en vais bien, moi. Allez, c'est bon, Carlos, il boude plus, les gars. Bon, c'est parti, on va commencer à construire la petite fusée. Enfin, la petite base, ouais. Pardon, du coup. Ah, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Carlos? Il y a un truc qui nous regarde, là, c'est bizarre, ça. Où? Ce truc là. Attends, ça. Oh. Oui, attention, on peut pas y aller dedans. Carlos, c'est interdit, c'est marqué interdit. Oh, attention, vous laissez trop de... Sortez. Sortez d'ici. Ouais, voilà. Bon, du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va analyser un petit peu la planète et on se retrouve.
Ok, du coup, on a fait le petit tour. Du coup, oui, là-bas, c'est bien une prison, les gars. Donc, on y est allé, bah, du coup, hors rec. Mais si vous voulez la voir, bah, franchement, il faut combien de likes, Carlos? Tu veux combien de likes sur la vidéo? Oh, tiens, oh là là. Ouais, oh, il est enrhumé. Sur de Mars, c'est n'importe quoi. Ah ouais, il y a de la poudre de Mars sur Terre. Enfin, sur la petite Terre, là, sur la Terre ferme. Sur la Terre, hein. Ouais, mais non, c'est Mars, mais c'est de la Terre, ça. Enfin, c'est de la Terre rouge. Oh, c'est la Terre rouge. Ah, c'est pas grave. Oui, qu'est-ce que je disais? Tu disais quoi? Et je disais combien de likes pour qu'on aille deux dans la prison, qu'on demande à aller dans la prison. Ah, pour le cas, il faut 2000 pouces bleus pour aller. Ah oui, c'est bête, Wise. Ok, les gars, donc plus de 10 000 pouces bleus sous cette vidéo. Et tout simplement, on ira dans la prison, les gars, secrète où il y a plein d'aliens. Si vous voulez voir des aliens. On peut oui, qu'est-ce qu'il y a, Carlos? On peut faire rêver de tous les gens de la prison. Ça, je sais pas si c'est une bonne idée, Carlos. Hardcore. Du coup, si vous voulez faire ce que Carlos a dit, c'est-à-dire aller voir la prison et en plus libérer les prisonniers, donc les méchants, enfin les aliens et tout, qui apparemment ont été méchants. On sait peut-être pas pourquoi ils ont été jugés et mis dans des prisons. En tout cas, franchement, mettez un maximum de likes, ça coûte rien. Et partagez à tous vos amis, comme ça, il y aura encore plus de likes. Et nous, du coup, bah, c'est parti, on va aller voir. Mais ils vont où là? Vous êtes allés où là? Ouais, faire des repérages. Mais là-bas, ce serait bien à Warren pour une maison, bien voir. Vas-y. Montre-moi Dédé. Ok, mon Dédé veut mettre une maison. Hop. J'ai détruit la fusée à l'autre alien pour pouvoir la mettre. Ouais. Toi. C'est pas moi, c'est lui en noir qui a dit ça, la personne là. Non, c'est pas moi. Bien sûr, toi. Mais Carlos est en train de me balancer là. Oh, je suis une snitch. Hardcore. Non, monsieur, c'est pas moi, mais vous inquiétez pas, si vous voulez aller quelque part, de toute façon, vous pourrez prendre notre fusée. Hein. Nous, on va rester ici. Bon, je vais vous écouter, vous êtes plus nombreux. Ok, nickel. Carlos, Dédé, vous venez? Oui, bon, on fait pas un truc. Ah oui, bah il faut peut-être prendre ce qu'il y a dans les coffres, non? Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bon, et du coup, ici, moi je vais prendre quoi? Moi je vais prendre, bon, la viande, j'en ai déjà. Je vais prendre la matière première. Je vais prendre les lits. On va prendre un peu de bois, les gars. Qui prend les chaises et tout? Moi. Vas-y, prends les chaises. Bon, moi je vais déjà sur le terrain, je vais essayer de faire la maison de base. Oui, vas-y. Ok, vas-y. Ah, il y a des feux de camp? Oui. Ok. Par contre, ça va être un petit peu petit, ça, non? Mais il faut faire un truc un peu plus grand. On est 6, les gars, ils font un petit truc comme ça. Une maison à la taille de sa fusée éclatée là, sérieux ou quoi? Ah, c'est n'importe quoi. Comment ça, ma fusée éclatée? Attends là, t'as vu la taille de ta fusée? Une personne, non mais t'es un malade. Moi, quand j'allais de Mars à ma planète et tout, j'avais des fusées comme celle-là et j'étais tout seul dedans. Carlos, il aime bien les grandes fusées, les gars, parce qu'il aime pas être compressé dans une fusée, les gars. Je sais même pas comment il faisait l'alien, hein. Je sais même pas comment il faisait Zouzoul. On pouvait, attends, il faisait 14 ans, tu faisais plus quoi. C'est juste une fusée de voyage, elle est plus rapide que ta grosse fusée. Oh. Je suis pas si sûr que ça d'abord. Ah, faudra faire une course de fusée un jour, Carlos, hein. Défait à Wariz. On en fait, c'est ça que je gagne. 1, 2. C'est quoi ça? 3, 4, mais les box, faut être dedans. Mais c'est pas des box, on n'est pas des animaux. Non. Hop là, du coup c'est parti les gars, on va construire la petite maison. Du coup regardez, donc là on construit. Ah, vous voulez faire un sol? Bah on va pas dormir par terre quand même, Wariz, t'es bête ou quoi? Oh malade. Mais j'avoue, malade. Hop là, du coup c'est parti les gars, on est en train de construire. Qu'est-ce qu'il y a, Luna? Ok, bon, bah tu parles sans rien dire. Bon, du coup, c'est parti, les gars. Nous, on est en train de construire les murs de la maison. Je sais pas comment on va faire. Je sais même pas si on va avoir assez, bah, du coup, de réserve au niveau de, bah, du bois, des lits, etc. Carlos, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je barricade la maison. Imagine, ils sont méchants. Imagine, ils veulent nous tuer. Mais on est sur ta planète, Carlos. T'es bête ou quoi, Carlos? Ok, les gars, je crois que Carlos, il a pas encore compris. Enfin, ah oui, c'est vrai qu'il est pas au courant, les gars. Attendez, je vais poser des petites torches juste ici. C'est vrai, les gars, que je vous ai pas dit. Pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui viennent de voir les vidéos, bah, du coup, récemment, on est venu ici, les gars, pour faire une surprise à Carlos et aller voir ses parents. Du coup, il le sait pas, il a peut-être pas encore reconnu, parce que ça fait très longtemps qu'il est pas venu sur Mars, parce que nous, on était venu le chercher il y a très 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 longtemps, moi et mon fils. Et en fait, du coup, tout simplement, les gars, ici, on est dans la ville de Carlos, mais ça, il le sait pas. Moi, je l'ai reconnu, regardez, je vais vous montrer pourquoi j'ai reconnu ça, les gars. Attends, attention, Carlos. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Apporte ton range pour rester camouflé, Wariz. T'inquiète, c'est une bonne idée ça, Carlos. Bah, recouvre tout de sable rouge. Du coup, regardez les gars, on va aller là-bas. Ce que je vous ai pas montré, c'est ça, les gars. Donc là, on le voit de très loin, mais en fait, c'est un château. Donc là, on le voit de derrière, du coup, c'est un peu moche. Mais de devant, en fait, c'est le château du roi des Carlos, les gars. Enfin, je sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est le roi Boubou, les gars. Je suis pas sûr. On vous dira ça dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, Carlos, il est pas encore au courant parce qu'il l'a pas vu et ça fait très longtemps. Bon, du coup, ça a avancé là, les gars, Carlos? Ah, bon, on fait une belle maison. Par contre, je sais pas, j'ai peur que la police de l'espace qui vienne nous voir parce qu'on n'a pas les papiers à Wariz. Oh oui, c'est vrai, les gars, que imaginez, on se fait arrêter par la police de l'espace, les gars. Oh. Carlos, au cas où, toi, t'as les papiers d'alien, toi, hein? Wariz. J'espère que tu les as gardés, Carlos. Wariz. Bon, on ira voir. Je vais jeter la poubelle.
Quoi? Bah oui, il y avait des papiers bizarres, mais moi je les ai tous dans la poubelle, moi. Toi, t'es vraiment bête, Dédé. Bon, on ira voir la poubelle, les gars, voir si on peut retrouver ça. Qu'est-ce que tu fais, Luna? Mets des tapis. Ah oui, mais mets-en pas de partout, parce qu'il faut qu'on mette les lits, regarde. Oui. Donc là. Ok, bah si, bah je mets celui de Carlos, mon lit, hop, on va mettre celui de Dédé et celui de Luna, on va le mettre juste ici, les gars. Et celui de l'alien, je l'ai mis en haut pour pas qu'il soit avec nous. Hein. Zouzoul, tu dormiras ici, toi, d'accord? Oh, d'accord. Dans le box. T'auras un espace, non, il aura un espace que pour lui, regardez. Attendez, ouais. Je vais le reculer. Hop, je vais mettre moi, là. Moi, je suis dans les coins VIP. Oui, toi, tu seras tout seul et tout, Zouzoul, parce qu'on te connaît pas assez. Et la nuit, quand on va dormir, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va barricader ici. Hein. On va boucher pour pas que tu nous fasses de mal. Hein. Ouais, bah je vais pas vous faire de mal. Mais on te connaît pas en fait, Zouzoul, ça se trouve t'es un méchant. Moi je préfère un méchant, Zouzoul. Vas-y, reste en haut. Il est où, Carlos? Carlos, t'es où? Je suis en train de finir. Waouh, wow, c'est magnifique. Ouah, c'est joli, les gars, regardez. Carlos, les gars, simplement, il est en train de tout recouvrir de sable de Mars. C'est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, de Mars, c'est vraiment super joli. Mais c'est moi qui l'ai fait, ça, Wariz. T'as dit quoi, Dédé? C'est moi qui l'ai fait, c'est pas Carlos, il fait rien. Tais-toi, on le voit, Carlos, il est en train de le faire. C'est un menteur. Carlos, oui. Tu penses que Zouzoul c'est un méchant ou pas? Il est bizarre, Zouzoul. Il est bizarre, ok. Bon, moi, tu penses que les abeilles. De quoi? Imagine, c'est pas Usko qui. Imagine, c'est Usko qui l'a envoyé. Il va nous tuer! Mais non, tais-toi, Dédé, chut, faut pas le dire ça. Mais en tout cas, on est armé et ce qu'on va faire, c'est que ce soir, quand on va dormir, on bouchera la sortie comme ça, il pourra pas nous attaquer. Ok. Bon, du coup, les gars, c'est parti. Je pense que nous, la nuit, elle va bientôt tomber. Du coup, sur Mars, on voit pas bien la différence. Regardez, on voit la planète Lune. Donc, c'est là où tout simplement il y a Toto, les gars. Du coup, on ira le voir un jour. Peut-être s'il y a 10 000 likes sur cette vidéo. Bon, du coup, je pense que c'est terminé là. Dédé et Carlos, il va falloir qu'on aille dormir. Oui, on est fatigué. Ah oui, on est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Luna? J'ai mis les chaises et les bureaux tout en haut. Oula, attends, fais voir. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis ça. Ah oui, mais tu veux pas qu'on en mette en bas aussi? Parce que du coup, on sera obligé de monter ici avec Zouzoul. Ah oui. Oh bah regardez, Zouzoul il est déjà en train de dormir. Regardez les gars. Réveille. Non, réveille-le pas parce que nous aussi on va aller dormir. Regardez, Zouzoul il dort. Bon, du coup on va partir d'ici pour pas qu'on l'entende ronfler, les gars. Tiens, Luna, descends, comme ça on va barricader. Ok, du coup vas-y. Hop, vas-y, c'est bon, descends. Ok, du coup les gars, Zouzoul est en train de dormir, nous on barricade, c'est parti. Je crois que Carlos et Dédé ont bientôt terminé. Carlos, Dédé, vous avez bientôt terminé? Ouais, on a fini. Ok, bon bah c'est bon, vous pouvez rentrer. T'as dit quoi, Carlos? Regarde de loin ce que ça fait. Ah oui, on va regarder de loin, hop. De loin, ah ouais, on dirait pas que ça va, ça. Waouh, c'est joli. C'est super beau. Ah oui, les gars, on n'aurait pas dit. En vrai, les gars, on aurait vraiment dit que c'est une maison cachée, hein. Bien vrai, Dédé? Ah oui, ça se voit que c'est moi qui l'ai fait tout seul, là, oui. Ah mais regardez, les gars, ça se voit vraiment, regardez le haut, ils l'ont même pas rempli, c'est n'importe quoi. On voit même l'entrée, les gars. Ah, quoique, attends, Carlos, ferme les portes pour voir de devant. Oui. Ah, ça va en fait, hein. Oh, regardez, dites-nous si notre cachette elle est bien camouflée, les gars, avec le sable de Mars. T'en penses quoi, ta Carlos, de ton travail? C'est bon. Les gars, ça c'est du Carlos portugais, ça bon, ça de la vodka. Et bah, Psartek Carlos, hein. Ah bah, du coup, regardez, Luna nous a fait un petit feu de camp. Ce qu'on va faire, je pense que c'est qu'on va s'installer ici ce soir avant d'aller dormir dans ce petit feu de camp. Du coup, nous on se dit, les gars, à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Mars. Du coup, on est vraiment sur Mars maintenant, les gars. Du coup, suivez toutes les prochaines vidéos, ça va être un truc de fou. Surtout qu'on ira peut-être dans la prison, qu'on ira voir les parents de Carlos, etc. Du coup, voilà, nous on se dit à la prochaine. C'était Carlos, Luna, Dédé et l'alien Zouzou, les gars. Et Toto Baquet sur la lune. Et nous, on se dit à la prochaine. C'était Awariz. Ciao tout le monde.